Bonsoir à tous les amis, on va faire un peu de Trust Me, enfin Trust Me en anglais, sur un jeu qui est resté sur itch.io, hein, toujours le même bundle où il y a 1 milliard de jeux gratos, c'est cool. Et bon, on va tester. Là c'est une fin de soirée, on vient de faire 5 heures d'échecs. On dit bonsoir à Mirror Edge qui est dans le chat, notre cher ami qui nous aide à jouer aux échecs. Et let's go pour Trust Me. Alors, flemme de dormir, je suis fatigué, enfin flemme de lire, je suis fatigué. Ok, en fait c'est un lander. Gauche, droite et accélérer, faut aller récupérer les mecs. Let's go, ça va être simple. Ça va être simple. Je suis sûr que c'est un jeu de puzzle. Moi je voulais un jeu tranquille. Dommage. Ok, je vois le type de jeu. Bon, c'est très simpliste comme jeu. Hein. Le but c'est pas de ça. Je pense qu'il faut pas trop s'écraser. Ah! Ok, le monsieur il est mort. Je sens que je vais déjà détester ce jeu en fait. Ça passe pas là? Qu'est-ce que t'en penses du jeu, Mirror Edge? Un petit défumé. Est-ce que c'est le meilleur jeu de la vie? Vas-y, non, doucement. Non, arrête! Plus tu mets de gaz, moins c'est contrôlable. Ah, c'est terrible. Vas-y. En fait, ça pivote pas assez vite. C'est dur. T'aimes pas trop? Ça tombe bien, moi non plus. Ah, écoute, on teste. Hein. Mais vas-y! Ça marche pas à côté, ça marche pas sur leur tête. C'est quoi le délire du jeu, là? Programmer sans piton, ouais, t'inquiète. Alors, je suis développeur dans la vie. Hein. Un petit jeu comme ça, c'est vite codé. Hein. Taper sur l'espace ou un truc comme ça, non? Ah non, il vient tout seul, non. En fait, il y a un site qui est marrant, ça s'appelle Coding Game. En gros, t'as exactement le même jeu, sauf que c'est pas toi qui contrôle le vaisseau, mais tu programmes en fait ce qu'il fait. Donc tu dois le faire atterrir de la manière la plus propre possible en le programmant. Et ça, c'est giga stylé comme jeu. Par contre, ce jeu-là, j'ai pas assez d'essence. Alors les réactions du chat, hein. Je vous les mets à tous. Putain, c'est nul, franchement. Ok, ça me va. En plus, il te manque les niveaux avant. J'accroche pas du tout. Bon, on va jouer 5 minutes et on va dire au revoir. Ça fait que 3 minutes, j'ai déjà envie de zapper. Alors après, comme c'est itch.io, on prend pour mettre une note. Hein. Donc on mettra une note. Parce que je connais Double Dragon. Ouais, mais ça c'est pas mon époque, hein, Double Dragon. Je connais de nom, on va dire. J'ai jamais joué, mais je connais de nom. Moi c'était Tekken, hein, le jeu du même genre, quand j'étais petit. Tekken c'était vraiment stylé. Faut que je les refasse un jeu Tekken. Moi je vais kiffer trop rejouer à Tekken. Je me rappelle, je jouais même avec ma sœur. Genre tout ce qui était Crash, Tekken. Je peux passer là. Ok. Mais c'est quoi cette merde là? Allô le jeu? Putain, mais c'est codé avec le cul! Ce qu'on voit visuellement n'a rien à voir avec le vaisseau. Putain, je jouais avec Nina, tu veux dire. Ouais, moi je crois que... Oh, je connais même plus... Mais ta mère. Je connais même plus le nom des persos. Je sais plus qui jouait. Je jouais un peu tout le monde, mais... Je sais plus. Après, je jouais plus contre l'ordinateur que contre des noms. Ouais, je crois que Paul, c'était vraiment bien fort, Paul. Après, ça dépend de quel Tekken t'as joué. Je crois que j'ai joué au 2, puis au 3. Ou au 2, puis au 4, je sais plus. En fait, à cette époque-là, j'avais une play craquée. Et mon père il me ramenait des jeux, sauf que lui il connaissait rien au jeu, mon oncle. Du coup je sais pas à quoi jouer en fait. Et je découvre après, genre 20 ans après auquel jeu jouer. Ok. Bon. Le jeu est un pur scam. Hein. Mais il échappe, ça marche même pas. Allez. Il était bien le jeu. Ouais. Ouais, t'es bien le jeu.
Ah ouais, bougez pas, on va lui mettre une note tout de suite. On va tout de suite lui mettre une note. Ah, historique, Frostme Itch.io. Note, mettre une note, et Léo. Frostme. Ma librairie. Frostme. Il se pose ta question. Une question, tu aimes les shoot'em up 2D? Genre R-Type. Je connais pas du tout R-Type. Attends, je finis d'abord ma petite vidéo. Trust me, trust me, trust me. Red Vis Game. Il n'y a pas moins qu'une étoile. On va rester gentil comme ça. J'ai vraiment dislike. Ça s'écrit pas comme ça du tout. Dislike. It's a pure scam. J'espère que c'est pas un jeu gratuit à la base. Ok les amis, fin de la vidéo, n'hésitez pas à follow. Et à la prochaine pour un test d'un nouveau jeu.